Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et n'oubliez pas, tant que j'y pense, nous avons toujours besoin d'encouragement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et sur notre blog. Et cette semaine, je vous emmène avec moi, en vacances, et avec ma maman. Alors là, ça y est, je suis partie vite fait à Playa pour chercher un petit déj parce que ma maman arrive dans quelques heures. Donc du coup là, je viens vite chercher du pain, deux trois choses pour son premier matin. Bon, ça reste le temps après de voir pour les autres matins. Et voilà. Et ensuite, Julien et les filles filent à l'aéroport parce qu'on a une voiture 5 places. Donc moi, je ne peux pas y aller. Et voilà. Bon, je viens d'avoir des nouvelles. Donc l'avion devait atterrir vers 6h, à 6h moins 10 exactement. Et là, il est 8h moins 20, donc ça va faire ouais, un petit peu moins de 2h. Et ils partent juste. C'est cool. Sachant que maintenant, ils ont à peu près une heure de route Cancun Playa, donc j'attends. Ça y est, les vacances peuvent enfin commencer. Au programme de la plage, du Farniente, des piña colada. I'm just gonna take it slowly. I'm just gonna live one day at a time. I hope you feel you truly know me. If something comes to take me. Bon, ça y est, là, après la baignade, on a remonté toute la Quinta. Ça va, poupée? Et du coup, là, on est au restaurant. On tente un nouveau resto ce soir. C'est la Cueva del Chango. Et de côté, tuk 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 tuk. Est-ce que tu as bien travaillé, mon cœur? Ouais, je suis fatigué, mais ça prend forme là. En mode production, c'est toujours frustrant parce que c'est long à faire, mais quand c'est fait, on est content parce que ça avance. Donc demain, la quatrième est finie? Demain, la quatrième sera finie de tourner et j'espère commencer la troisième. Et ta formation? Coucou. Bon, hier, on a bien profité. On a bien profité. On s'est baigné. Et puis, on a mangé au resto avec ma maman. Et là, ce matin, on est reparti toutes les cinq nous baigner. Situation, yeah.
mal. C'est du bien. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si on nous entend beaucoup. Ah. Parce qu'il y a un peu de vent. Il y a beaucoup de vent et du vent. Bon ben voilà, on a bien mangé. Nous étions à Al Fogón et puis là du coup on va retourner un petit peu sur la Quinta. Maman va peut-être faire quelques achats, puis bon on va en profiter pour du shopping. Et puis voilà, je suis déjà crevée. Mais bon c'est cool, on profite bien. Vous reconnaissez l'endroit? Plaza del Palacio Municipal. Nouvelle journée, nouvelle activité. Salut, salut! Alors, aujourd'hui, je suis à Playa Esmeralda. On a voulu aller au cenote ce matin et en fait, il s'est mis à pleuvoir. Donc, du coup, on est resté, on a mangé chez nous. Et du coup, on est à la plage à côté de chez nous. Je vous montre ça. Bien. Donc là, il y a les sargasses, mais une fois passé ce petit banc, franchement dans l'eau, on n'est pas trop embêté, il y en a un peu plus loin, on ne va pas trop loin. Mais on est trop bien. Bon, ça y est, la Marquesita? Très bon, très très bon. Marquesita des? Des platanos. Des platanos. Et alors? La mienne, je vous la montre. Attendez, elle est où? Ah! Eh, Nutella et fromage. Qui veut tenter? Allez, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Nous attendons le ferry pour partir sur l'île juste en face de Playa del Carmen. Et oui, nous allons à Cozumel. J'ai oublié de vous prévenir. Préparez-vous, préparez vos yeux, car vous allez voir de magnifiques images à partir de maintenant. Bon, ça y est, regardez, là, on commence notre week-end. On a récupéré les passeports, hop là,
difficilement. Et regardez, là, dans 15 minutes, on est dessus et on part sur l'île en face de Playa, qui est l'île de Cozumel. Ça y est, nous sommes arrivés. Regardez le salon, la cocina et ensuite les jambes. Franchement, il est nickel. Hein, les filles ont déjà sorti leur jouet. Voilà, franchement, nickel. La vue de place, là c'est une place et demie. La deuxième chambre. Et voilà, king size. Bon, les toilettes, je ne vous montre pas. Hein. Il y en a le petit balcon. Bon, il y a la moustiquaire. On a un tout petit balcon, voilà. Parfait. On va être bien là pour de nuit. Hein. Bon, après une nuit très très pluvieuse, regardez, on a un super ciel. Donc là, on est parti, on va essayer d'aller se baigner, de profiter de l'eau bleu turquoise. Bon, ça y est, nous avons trouvé. Alors là, ce qu'on va faire, on est obligé de passer par un tour. On va aller à le cielo. On va aller au ciel. Donc là, bon, il n'y a pas le choix. Hein. Ça ne peut pas se faire sans tour, mais ça va être super chouette. On en a pour 3 bonnes heures apparemment. On va se baigner. On va visiter la mer. Enfin bref, ça va être super chouette. Donc là, le départ est dans 15 minutes. Donc on attend tranquillement. No place like home.
juste pour info, donc on a plongé deux fois en snorkeling. On a vu des bancs de poissons magnifiques. On a vu des étoiles de mer avec les raies. Et notre GoPro, toute neuve, n'a jamais voulu fonctionner. Voilà, voilà. Donc un peu dégoûté, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. On sera obligé de revenir. Et là, oh là, il y en a encore une. Là, on s'est arrêté à Cielito pour se baigner. Et on est entouré. On a les raies qui passent autour de nous. Elles sont énormissimes. C'est magique. Ah, oh, putain. I'd ever known how you'd forever change my life. I would up and go, I'd walk out of sight. But I'm glad I rearranged from falling apart. 'Cause you built me a mosaic, a perfect puzzle to capture my heart. And so I promise I'll be there for you. I'll pick you up when you fall. Alors, t'as vu des raies? J'ai vu 5, 4, 6, 4, 5, 6. You don't have to stand alone. Allez, ce soir c'est apéro piscine. Et voilà. Là. C'est ça les vacances. Ça y est, le retour de Cozumel. La suite au prochain épisode.